Hey, salut gang! Je vais faire de quoi pour vous autres à soir parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer des questions au niveau des amants de la nature. Qu'est-ce qui reste comme stock, comme promo? Ben en fait, je ne sais pas plus que vous autres. Hein. Il y a une question qui revient souvent. Martin, tu travailles-tu encore là? J'ai jamais travaillé aux amants de la nature. C'est par contre un très bon collaborateur de l'émission. Je remercie d'ailleurs tout le monde qui a travaillé aux amants de la nature de nous avoir supporté si longtemps que ça. Mais là, ce qu'on va faire, parce que ça serait beaucoup trop long de répondre à toutes vos questions, j'ai amené une petite caméra, on fait ça, bonne franquette, gang. Là, je suis devant les amants de la nature présentement. Là. Ce que je fais, c'est que je vous amène faire le tour. On va regarder ensemble qu'est-ce qu'il y a comme promotion. Fait que je vais répondre à toutes les questions dans un temps assez record, vous allez voir ça. On fait le tour ensemble. Ça a l'air qu'il y a des réductions quand même de l'ordre de 20 à genre 50%. Là, je suis venu quelques fois, oui, mais le stock a bougé pas mal parce qu'il y avait de l'air à rester du stock en inventaire qui ressort. Fait, tout de suite en rentrant, on voit que il y a de la botte. Puis regardez, c'est de la baffin quand même. Là. 50% de rabais. Avec 50% de rabais, là, puis regardez la quantité de baffin qu'il y a ici. Là. Vous trouvez pas votre pointure là-dedans, gang? Là? Bonne chance ailleurs, au moins ils n'auront pas plus. Ici, on a du Gulp Alive, donc tout ce qui est Berkeley, Gulp Alive, c'est tout sur ce rack-là. Et on est quand même à 50% de rabais, hein. C'est les leurres que vous êtes habitués d'utiliser, là, toutes les petits asticots, et etc. Rapidement, étui à armes. Bon, il reste encore beaucoup de bottes là. On est dans la botte, mes amis, tout du 50% de rabais. Tout du 50% de rabais aussi. Beaucoup de bottes, beaucoup de grandeur. Le stock de Stéphane Monette, le stock de la ferme Monette, ben, il reste du Destro d'heure, je pense. Non, du Stopper. Donc, Stopper, Orignal, il reste aussi du Bokeh, c'est les protéines liquides pour les orignaux et le chevreuil. C'est tout du 50% de rabais aussi. Je me vire de bord, toutes des bottes Nats. Vous vous souvenez, les Nats, on les utilise nous autres dans l'émission. C'est ce qu'on a toujours dans les pieds. C'est tout aussi du 50% de rabais. Il y en a énormément de grandeur. Donc, c'est ça. Des bas. Ah, des bas. Si tu as besoin de bas, il y a des bas ici à 50% de rabais aussi. Rapidement aussi, beaucoup de mouches. Puis regardez, là, les pancartes, là, je les montre directement. Là, c'est tout du 50% de rabais. Avec la mouche, il en reste plusieurs stands. Il reste aussi pas mal de cuillères. On va regarder ça tout de suite après. Ben, 50% de rabais aussi, là, quand même, des belles quantités de mouches. La cuillère, les cuillères auxquelles vous êtes habitués, les cuillères avec lesquelles vous pêchez normalement. Ceux-là, par contre, sont à 30% de rabais. Mais écoute, c'est quand même pas mal d'économies. Là. Hein? 50%, on a quoi? Encore de la mouche. Manquerait pas de mouche. Il y a du stock en haut, on va monter voir ça après, mais j'ai vu quoi par ici? Bon, du linge chaud, on va en parler, mais il y en a beaucoup. Les fameux manteaux polars avec lesquels on chasse, nous autres, j'adore ça parce que ça fait pas de bruit du tout. Tout du stock action quand même, donc du stock qui est quand même de qualité, non? Vous ne vous trompez pas avec ça. Il y en a un qui me posait la question sur Facebook. Au niveau des Tristan, ben là, ton Tristan, 20%, 18 pieds Jumbo Ladder Stand, donc quand même assez intéressant. Tu sauves 20% sur 249, mon ami, fait que dépêche-toi, j'en ai vu un autre, fait qu'il doit en avoir deux ici. Gilet de flottaison, en voulez-vous? Ben, en voilà. Ça aussi, j'ai eu beaucoup de questions dans les derniers temps. Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que je prends, Martin? Ben, tu vas venir prendre ça ici, parce que c'est 50% de rabais. Surtout quand t'en as 8 à acheter pour toute la petite famille, pour être légal dans le bateau, là, ça commence à être intéressant, puis c'est tout des beaux formats, des belles grandeurs, c'est tout du stock qui est légal en embarcation, donc vous allez être sur la coche, mesdames et messieurs. Si on parle de poissons nageurs, tout le stock de Rapala qui est là, ça c'est du 30% de rabais. Ce que je vous montre, c'est du 30% de rabais, du stock de Rapala, donc beaucoup de poissons nageurs et les petites grenouilles qui ressemblent un peu au Live Target. Ils sont pas étiquetés Live Target, mais c'est la même affaire, à pas cher encore là. Regardez là, au départ c'est 12,99 de la petite grenouille, puis on retranche 30% de ça, très intéressant. Donc beaucoup, il y a du Yuzuri, il y a beaucoup de stock dans le poisson nageur. Il reste encore du Live Target. Live Target, on se mentira pas, on a eu des très beaux résultats avec ça. Il reste du Sébile aussi, qui ne connaît pas. Donc énormément de stock dans le linge, chemise de moucheur, des chemises d'extérieur, il y a quand même une belle quantité. C'est tout aussi dans le coin de 30 à 50% de rabais. Il y a du style de chemise carottée, bien, il y en a en masse aussi. Hop! Ah, quand je suis venu la première fois, il n'y avait presque plus de choix à moucher. On a cherché un maudit temps. Là, il y en a bien plein. Donc, ça, ils ont retrouvé de l'inventaire probablement dans les en arrière. 30% de rabais, donc, tout ce qui s'appelle choix à moucher. Si on regarde un peu les prix, là, on est dans le 39, pas mal de 39 partout là-dedans. Des soies, pas des soies, mais de la ligne à pêche aussi. Si on le construit dans le Fairland, dans Shakespeare, dans le Triland, il reste énormément de stock. Fait quand même pas mal de grosseur, pas mal de force. Ah, regardons ça. Du Big Bill, bon ben, écoute, du Big Bill aussi, ça amène sur le même principe de réduction, donc il y a quand même pas mal de manteaux. C'est-tu des kits, ça, bouge pas? Non, c'est des manteaux, seulement que les manteaux Big Bill, quand même assez intéressant. Hein. Du beau ça quand tabarouette. Ah, ben, regarde, une tente, je m'avais demandé pour des tentes, il leur reste des tentes? Oui, la réponse est oui. Oui, ça va plus vite de même que... Puis il reste un autre Tristan là. Ah, j'ai menti tantôt, 1, 2, 3, 4, fait qu'il y a 4 Tristan sur place.
Archerie, Archerie, vous avez posé beaucoup de questions. Il reste de la Hoyte en masse. Il reste quand même une belle quantité, là. C'est le temps de venir les chercher. Là. Il en reste quand même pas mal. Il reste quelques arbalètes sur le mur-là. Donc, la Barnett Whitetail à 340 pieds. Qui est là, il y a deux autres modèles de Barnett, la Lady entre autres, il reste de la flèche en masse, il reste des accessoires en masse. Puis si on regarde les prix dans le Barnett, tu regardes ça, c'est Raptor FX2, 330 pieds seconde, c'est 20% de rabais. 20% de rabais de 649, je pense, ouais, 20% de 649. Il y a la Lady Raptor aussi qui est là, même affaire, c'est la même arbalète, donc 330 pieds secondes, encore une fois 20% de rabais. Beaucoup d'accessoires pour les arcs et arbalètes. Vous savez, hein, il n'y a plus d'armes à feu, ça a été vendu en lot au complet, donc ne cherchez pas, là, il n'y a plus d'armes à feu. Il reste quelques armes à air comprimé là-bas. Il reste par contre quelques bons scopes, il reste du Buriss. Excusez-moi, la qualité de ça au travers de la fenêtre, c'est pas fameux, hein, pour faire ça de même à la place. Il reste du Buriss, il reste un petit peu de Leupold, il en reste quelques-uns dans le 50 mm qui peuvent quand même être assez intéressants. Il reste aussi de la jumelle en masse, que, encore là, c'est tout en réduction, hein. Il y a de la Bushnell Legend en masse, il y en a 6, 7, 8, 9 white. On va aller voir un petit peu en arrière. Grosse question aussi au niveau des munitions. On fait le tour ensemble de ce qui reste. Hey, je vais aller en arrière du comptoir. Ne me fasse pas sortir, là. Je vais vous... 2.60. Donc, 2.60 Remington, 204 Ruger, 243 Win. Il reste la 338. Il en reste pas énormément, mais il en reste quand même. Il reste, 7 mm. Il en reste quand même pas mal. 7.62 par 39. 338 encore là. 7 mm Winchester Short Magnum, 6.5 Creedmoor, il y en a ici, ça vaut peut-être la peine, il y a de la réduction, je pense que c'est presque au cost qu'ils les sortent, 6.5 Creedmoor, je vais m'en prendre quelques-unes avant de partir, je vous dépêcherai de venir chercher le reste, vous savez, calibre qui s'en vient en mode pas à peu près, encore de la 7 mm, 307 Win, 280 Remington, 270 WSM, 7 mm, 300 WSM, il reste de la 300 Win Mag, 300 Savage Win Mag, je vous l'ai dit, on fait le tour. Hein. Du 12, on m'a demandé du 12. Il reste du 12 là. Il y a de l'air d'avoir d'autres boîtes là-bas. Il reste du 20. De la 22. Vous avez été longtemps d'en chercher de la 22. De la 22 en là. Il y en a bien plein de la 22. Ici, bon, ben garde toutes les munitions, tout ce qui s'appelle 12, tout ce qui s'appelle le Turkey Load, tout ce qui s'appelle les Challenger, etc. Il en reste, il y a de la Kent aussi, bon. Et voilà. Et évidemment, encore de la botte, de la botte, de la botte, de la botte. Moi, il y a eu des bons prix, ces bottes. Les télescopes Weaver aussi. Faut pas délaisser ça, hein, c'est quand même 20% de rabais sur des télescopes qui valent 199$. C'est une fois une carabine qu'on n'a pas payé trop cher, c'est assez intéressant. Je vais juste refermer la barrière avant de repartir d'ici. Dans les rangées, ben, les accessoires que vous connaissez qui étaient déjà là aux amas de la nature, là, des, que ce soit des gants de tir, que ce soit, c'est tout du 30% de rabais. Hein. Des pointes Rage, il en reste quand même pas mal, il en reste en plusieurs grosseurs. 30% de rabais aussi, on s'en va fouiller. De la guenille, voulez-vous de la guenille? Il y a de la guenille puis pas à peu près. Donc des vêtements, c'est tout du 50% de rabais. Là. Je fais le tour rapidement parce qu'il y en a pas mal. Je passe en avant aussi de sleeping bag derrière moi ici. Il y a quand même des bons rabais dans guenille, 50%. Guenille, excusez-moi, dans le vêtement. Dans le vêtement, 50% de rabais. Fait des ensembles complets à 50% de rabais, là. Si vous en manquez, là, il y en a pas à peu près. Mais aujourd'hui, entre autres, il y avait un spécial de la journée, le spécial du jour. Les manteaux de chasse comme ça, là. Hein, on va le déplier un peu. Manteau de chasse comme ça. Valeur 60$, et là aujourd'hui on les vendait à 15,50$. On est vendredi présentement, avant Pâques, donc le vendredi saint, ça va changer, voir un autre spécial demain. Encore ici, 50%, tous des ensembles de chasse. Vous êtes beaucoup à nous demander qu'est-ce que j'achète cette année. À 50% de rabais, je peux-tu vous dire qu'est-ce que vous allez acheter, moi? On n'ira pas chercher les grosses affaires hyper performantes pour rien. C'est du Rockwood, ça fait un job en masse, puis c'est à 50% de rabais. Ça, vous le sauvez au travers du prix de vos permis puis de tout ça. On fait le tour encore des sangles, tout le matériel de câble. Donc il reste quand même plusieurs beaux petits câbles, des beaux petits grunts, du beau stock, des étuis à canne, canne à pêche en reste en tabarouette, on va voir ça tout de suite après. Mais de pêche ici. Donc de la canne à pêche, non? Il reste quoi? Il reste de la Mitchell en masse, dans le Teenager, Quantum, Abu Garcia. Il reste énormément de stock Fenwick. Oh, il reste quand même. Ouais, il reste quand même pas mal de caméras. En Wild Game Innovation, 8 mégapixels, la Claw 8, donc assez intéressante, ça vient à 149$, ce qui est pas cher. Il y a de la 10 aussi, donc de la Illusion, la 10 à 199$. C'est tout à 20% de rabais, ça. Donc ça vaut la peine, encore du linge. La canne à moucher, qui me posait des questions, c'est canne à moucher. On va checker juste rapidement de même qu'est-ce qui reste, non? Non, 8 pieds 6 pouces dans le 7-8, 8 pieds 6 pouces dans le 7-8.
On a 8 pieds 6 pouces, 7-8. Finalement, il y a beaucoup de 8 pieds 6 pouces dans le 7-8. Il y a d'autres grandeurs ici. Là. Venez voir, là, il y en a quand même pas mal. C'est tout dans le coin de 20% de rabais. Il reste du leurre en masse aussi. Il reste du Galt Alive. Il rentre du stock aussi de l'entrepôt qui restait derrière. Donc, tout du stock est entreposé. Puis là, moi, je suis pas mal. Un dent de rigueur. Il y a quelqu'un qui a demandé pour un dent de rigueur. J'ai vu passer ça, une question sur un dent de rigueur. Il reste un Scotty Downrigger modèle 1092, prix normal. 429, je présume que le 30% qui est en dessous doit s'appliquer là-dessus. Vous demanderez rendu ici, mais assurément, ça ne sera pas très très cher. On va monter en haut, voir qu'est-ce qui reste. Parce que ça m'intrigue, moi le premier. En haut, avant, c'était les vêtements. Ah, je pense que je sais ce que c'est. Bon, on change de registre un peu. Là. Je vais faire le tour un petit peu plus rapidement ici. Là. Tout ce qui est stock de moto, là. Il y a de la sacoche. Il y a de la sacoche de côté. Il y a des gants, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des frocs. De l'autre côté, il y a... des pantalons, il y a d'autres gants, des chaps, il y a énormément de stock. Tout, encore là, là, regarde, même les beans, là, les petits casques comme ça, là, c'est du 50% de rabais. Fait que si vous êtes chasseur et vous êtes aussi motocycliste, mais même pour les quads, Chris, il y a des valises qui peuvent faire dessus en tabarouette. Ça vaut peut-être la peine des valises qui se strappent très bien, ces quads, hydrofuge. Du manteau pour faire de la randonnée en quad, ben, tu peux t'en servir facilement, des manteaux raincoat. Du rain cover, il y a du manteau en marche. Je passe un petit peu plus vite ici, ça nous intéresse un peu moins. C'est du stock de basic. Mais encore là, tout ce côté-ci, tous les manteaux, et quand même, je passe vite en tabarouette. Hein. Tous les manteaux, il y en a quand même pas mal. Là, c'est tout du 50% de rabais. Fait qu'à la question, qu'est-ce qui reste aux amants de la nature? Il reste-tu du stock? Mais je viens de le découvrir en même temps que vous autres. Ça, c'est ce qu'il y a présentement. Ce qu'on me dit, c'est que quand même encore pas mal de stock dans les caisses en entrepôt, donc au fur et à mesure que ça sort de sur les tablettes, on refoule les tablettes pour finir de vider le fonds de commerce si on le veut. Puis moi, ce que je vous dis, c'est dépêchez-vous parce que pour l'instant, excusez-moi, hey, salut! Pour l'instant, il reste du stock, vous pouvez en profiter, vous pouvez mettre un petit peu de sous dans vos poches avec ce que ça nous coûte, nos activités de chasse et de pêche. C'est malheureux ce qui s'est passé ici, évidemment, la faillite, mais en profiter pour avoir du matériel un petit peu moins cher. Puis faites-le donc pendant qu'il reste du stock. Fait qu'on avait le tour ensemble, écoutez sa réponse, je pense, c'est j'espère à toutes les questions. Sinon, posez la question sur le Facebook des Amants de la Nature, il y a des gens pour vous répondre. Moi, malheureusement, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. Là, je le sais un petit peu plus, mais de jour en jour, ça peut changer. Donc, venez sur place, allez sur le Facebook des Amants de la Nature, ces gens-là vont vous répondre à ces questions-là. Hey, je vous remercie, puis une bonne soirée, ça m'a fait faire le tour, moi aussi. Salut!